Bien mes frères et sœurs, il y a quelqu'un ici qui entend ce message. Et si c'est pour un motif particulier que tu es venu dans la foi, c'est qu'on t'a dit que si tu viens dans la foi chrétienne, un féticheur ne te moyen pas, un sorcier non plus. Et que c'est sur la base de ça que tu établis ta foi. Et que si tu viens, tu vas avoir un mari. Si tu viens, tu auras l'enfantement. Si tu viens, tu auras la santé physique. Si tu viens, tu auras la paix, la stabilité dans ton foyer. Et ceux qui sont venus dans la foi à cause de ces hommes, Jésus ne se fie pas à vous. Cette vie à laquelle le Seigneur nous a appelé d'hériter, ne jouons pas avec la vie éternelle. Je le dis encore, ce corps passera, tout ce que nous avons passera. Ce qui demeure, c'est notre esprit, notre âme. C'est l'esprit qui va vivre dans l'éternité. Mais si notre esprit sort sans aller au paradis, et on combat le bon combat de la foi, la garde vive, c'est cassette. Et saisis la vie éternelle. Cette vie à laquelle tu as été appelé pour hériter. La bonne nouvelle de l'évangile a été dispatchée dans le monde entier. Nous l'avons tous entendu. Je voudrais moi-même m'interroger. Et que chacun de vous se pose la question. De quelle manière avons-nous appris l'évangile ou entendu la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Est-ce que la prédication ou l'évangile que Jésus a ordonné donc d'annoncer a-t-il demandé donc d'annoncer l'évangile afin que les gens s'orientent vers les richesses de ce monde-là? Ou bien il nous a demandé donc à travers l'évangile, si nous obéissons à l'évangile et que nous venons, que nous nous recadrons vers le matériel de ce monde pour corrompre notre foi. Individuellement ici présent ce soir, essayons d'analyser, de voir donc quel était l'objet, le but principal de la vocation du Seigneur. Est-ce que le fait que Christ ait abandonné les environnements paradisiaques, se revêtant donc de la chair d'un être humain, afin de racheter vous et moi, afin de nous racheter nous tous? Parce que le premier Adam nous a vendus à Satan. Et depuis que nous sommes nés, nous avons commencé à pratiquer des œuvres dignes de notre ancien père Satan. Et le second Adam qui est Jésus est venu sur la terre. Quand il est venu, le but de sa venue, c'est de nous racheter de la mère de Satan qui nous avait donc usurpé. Mais il n'a pas pu racheter tout le monde. Parce que c'est par son propre sang que Jésus nous a rachetés. Parce que par le péché, donc les lois sont intervenues. Et nous n'avons pas pu obéir à la loi. Et on dit que tout le monde mourra parce qu'il a été défaillant vis-à-vis de la loi. La Christ wa me wa tonton ra yeti yorum botono te bambala la rikesi bambala. Mais Christ étant l'accomplissement de la loi dont nous a demandé de ne regarder qu'à lui, de ne croire qu'à lui, et de toute personne qui croirait en lui donc aura la vie éternelle. La foi chrétienne est tellement simple. Vous et moi, nous avons été défaillants vis-à-vis de la loi. Et je méritais donc d'être persécuté à cause de mes péchés. Une autre personne s'est substituée à moi. Et il est arrivé à accomplir tous les 10 commandements.
Et cette personne a été crucifiée à ma place, moi qui méritais d'être crucifié. Maintenant qu'on a fini de crucifier Jésus, ceux qui l'ont convoqué, il a appelé, les a demandé compte et croyez en moi. Parce que c'est moi qui ai été élevé et je suis au paradis. Aucun donc des responsables des groupes religieux ici bas sur la terre n'était en mesure d'être élevé à la droite du trône de sa majesté divine. C'est seulement la plupart donc des papes sont toujours dans les tombeaux. Les cardinaux sont toujours également dans les tombeaux. Aucun des fils des hommes n'était à mesure donc de s'élever pour aller au paradis. Aucun pasteur donc ne pourra jamais déclarer qu'il a été élevé, qu'il est assis à la droite de Dieu. Et aucun évangéliste, aucun pasteur, un grand docteur qu'il soit ou alors un enseignant chevronné qu'il soit, n'a pas été enlevé. Ils sont tous contenus dans le tombeau. Personne n'a jamais ressuscité pour être enlevé. Seulement Jésus seul qui est mort et ressuscité et qui a été élevé à la droite du trône de Dieu. Et c'est à lui que nous devons obéissance. Et c'est lui que nous servons aussi. S'il est vrai qu'aucun responsable religieux n'a été élevé, comprenez que Christ donc qui est notre responsable a été enlevé. Et vous et moi, personne ne s'est trompé le chemin. Et puisque nous ne nous sommes pas trompés le chemin, que nous y sommes, comment se fait-il que nous arrêtons de regarder à Jésus? Comment se fait-il que nous abandonnons le salut de notre âme et que nous courons à la poursuite du monde? Et c'est comme aujourd'hui, si tu es démuni, tu n'es même pas obéissant à Dieu. Lorsqu'une personne construit un R+, et lorsqu'une personne est en mesure d'acheter des V8, et quand on parle donc d'une personne qui est riche, ou alors lorsque tu visites le salon de quelqu'un qui a presque tout meublé, lorsqu'on veut seulement parler, on dirait que le Seigneur Dieu l'a élevé. Dieu, Christ est-il venu mourir seulement pour les palais? Christ est-il venu mourir pour les richesses, les trésors? Je voudrais que ce soir vous et moi nous comprenons que l'objet pour lequel Christ est venu souffrir, c'est que vous et moi nous obtenons le pardon de nos péchés. C'est que nous puissions donc participer à la résurrection d'entre les morts à la venue de Christ. Voilà pourquoi l'évangile selon Matthieu dit: recherchez mon royaume premièrement, recherchez ma justice aussi, et le reste vous sera donné par-dessus. Il nous a pas dit de rechercher d'abord le monde avant de rechercher le royaume de Dieu. Que chaque personne s'investisse à rechercher le royaume de Dieu d'abord et de rechercher la justice que Dieu donne. Et cette justice que Jésus nous donne est la justice qu'on acquiert par la foi. Puisque nous avons cru en Jésus, nous recevons, nous héritons une justice de Jésus. Et notre justice ne vient pas de nous-mêmes. Cette justice donc nous vient de l'œuvre achevée par Christ à la croix de Calvaire. Parce que Jésus a accompli tous les commandements avant de donner la justification à toute personne qui croit en lui. Dans Romains 10, c'est ce qui est déclaré. Et dans Matthieu le chapitre 6, vers le verset 33, la Bible dit: cherchez premièrement le royaume de Dieu, cherchez la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Mais maintenant, les chrétiens de cette génération-là, même lorsqu'une personne se marie,
Et que le cortège du mariage donc s'allie d'ici au rond-point de la Padoie. Les gens commencent à dire que Dieu l'a élevé. L'élévation de Dieu ne se trouve pas dans le matériel. L'élévation de Dieu tient à ce que tu arrives à abandonner ton péché. Une personne qui arrive à brider son corps, cette personne a eu la vraie élévation. Une personne qui résiste au désir de sa chair, une personne qui prend la décision ferme de faire le bien, Dieu a élevé cette personne-là. Lorsqu'une personne est remplie du Saint-Esprit, parlant en langue et utilisant les dons du Saint-Esprit, cette personne est élevée par Dieu. Ce n'est pas le matériel ni le finance donc qui symbolise l'élévation. Il y a des gens qui sont dans le monde et ils ont de l'argent dans des cantines, mais cela n'est pas la preuve qu'ils sont élevés par Dieu. Lorsqu'ils s'ils meurent dans leur péché, leur richesse ne saurait pas les délivrer en enfer. Même si vous voulez faire des doigts, vous voulez bien faire des messes, vous voudrez bien faire même des funérailles, alors son argent contenu dans les banques ne pourra pas le racheter de l'enfer. L'évangile selon Luc nous dit qu'il y a un riche homme qui est mort, qui est descendu en enfer. Un pauvre également est mort et il est allé au paradis. Mais cela ne voudrait pas dire que c'est à cause de sa pauvreté qu'il était enlevé au paradis. C'est que dans sa pauvreté, il a su rester ferme, donc ayant dans sa conscience que Dieu est présent. Il savait également qu'il est descendant d'Adam, qu'il porte le péché en lui. Et le pauvre a cru Jésus. C'est la raison pour laquelle il est allé au paradis. Dans sa pauvreté, il n'a pas murmuré contre Dieu. Dans son état de pauvreté, il n'a pas jeté le tort à quelqu'un. Il n'a pas incriminé qui que ce soit, ni maudit Dieu. Mais malgré qu'il n'avait même pas de maison, il avait des plaies que les chiens venaient lécher. Dans cette souffrance, il a trouvé le moyen de comprendre que Christ est venu pour lui. Et que la rémission du péché est sortie au nom de Jésus. Lazare est entré au paradis. Dans sa pauvreté, il a trouvé un moyen de servir Dieu. Mais le riche est descendu dans le séjour des morts, parce qu'il a investi son argent dans l'avarice et la cupidité. Lazare même voulait se nourrir donc des aliments sans pouvoir avoir. Lazare était couché à la porte de ce riche homme. Et à cause de l'avarice, il sortait et jetait les restes de nourriture sans en proposer à Lazare. Mais il a eu l'argent. Il a eu des gens qui l'ont suivi. Vous savez que de nos jours, si tu n'as pas les finances, tu n'as pas des gens. Si tu es financièrement assis à chaque soleil levant, tu vas voir des gens qui sont attroupés devant ta porte. Le monde ne fait que suivre les riches hommes. Mais puisqu'il n'a pas connu Jésus, et qui n'a pas confié sa vie à Jésus, et qui n'a pas obéi à Dieu, il est descendu dans le séjour des morts avec toute sa finance. Ils ont fait des grandes messes sans pouvoir le racheter. Ils ont fait des grands doigts sans pouvoir le racheter. Ils ont fait des funérailles sans pouvoir le racheter. Par la suite, levant les regards, il a aperçu Lazare. Il était assis dans le sein d'Abraham. Il appela Abraham. Envoie Lazare avec de l'eau qu'il vienne. Qu'il trempe seulement son doigt dans de l'eau, que j'en ai besoin. Abraham lui a répondu, il y a un grand fossé. Personne ne peut traverser de chez nous à chez vous. Et quelqu'un de chez vous ne peut traverser pour aller chez nous. Le riche demandera à ce qu'on envoie des missionnaires. Il a dit, fais ressusciter Lazare. Et qu'il annonce au monde entier. Et de surcroît, j'ai encore 5 frères qui sont là. Il dit qu'il a encore 5 frères qui habitent le monde, afin qu'ils se repentent et qu'ils empruntent le chemin de la bienfaisance, pour éviter de venir à l'endroit où lui il est, parce que le feu est
tellement cruel. Abraham, Abraham a répondu. Il y a la loi de Moïse qui est toujours sur la terre. Et il y a encore les prophètes qui annoncent l'évangile. Si tu ne crois pas donc à la prêche des pasteurs, là, la manière dont le cœur humain est cautérisé, même si Lazare ressuscitait pour les annoncer, ils ne vont pas recevoir l'évangile. De nos jours là, Dieu a amené des gens donc qui vont au paradis et qui visitent l'enfer aussi. Dieu apporte des révélations donc à des gens sur l'existence de l'enfer et du paradis. Mais ceux qui sont programmés pour la destruction ne croient pas. Ce qui veut dire que même lorsqu'une personne ressuscite, Dieu effectivement a fait des mystères. Il y a des gens donc qui sont morts et qui sont allés visiter et ils sont revenus à la vie. Maman Domitila, elle est morte, elle est revenue à la vie. Et elle a donné le témoignage. Mais les gens n'ont pas reçu. Plusieurs personnes sont mortes et ressuscitées. Même nous qui sommes chrétiens même. Nous avons même des traités, des documents que nous lisons. Et nous écoutons des témoignages à ce sujet. Nous écoutons et nous enjambons les cours pour aller pratiquer le péché. Pourquoi c'est comme ça? C'est l'incrédulité. Et le fait que le Dieu de ce monde a aveuglé la conscience de certains. Voilà pourquoi, malgré la prédication que nous faisons, vous allez trouver des gens qui trouvent le moyen de tomber enceinte. Des gens qui trouvent le moyen de faire des œuvres d'enchantement ou de charlatanisme. Nous prêchons la parole. Et des gens trouvent le moyen de sortir pour se marier avec des mondains. Attends, l'enceinte donc que des mariages qui sont faits à l'église sont divisés. Parce que le Dieu de ce monde a les a voilé la conscience pour qu'ils ne voient pas la lumière de l'évangile. Il va apporter leur délivrance. Quoi qu'ils soient des chrétiens, quoi qu'ils aient été baptisés, quoi qu'ils aient été pleins du Saint-Esprit parlant en langue, il y a des gens qui restent toujours incrédules par rapport à la parole de Dieu. Et ils ont orienté leur regard vers le monde. Et ils ne regardent seulement, ils ne comptent que sur le monde. C'est le matériel du monde qu'il compte. Et Jésus s'est senti obligé de parler à Jean. Je vais vous demander de lire Matthieu et Jean Ibu. Dans Jean le chapitre 2, puis il attend 23. L'évangile selon Jean. Le thème d'aujourd'hui dit Jésus. Suivons Jésus. Mais ne n'allons pas n'allons pas à la recherche de nos propres intérêts. Jean yibum pisila tabo. A Jésus simbe Jérusalem pak kipsa wakate ne wuzote bam yure. Bam sinya Jésus siman bomba na nyinga. La Jésus kapasiyare de ne bam ye. Ebsem mi bam fa on nyinga. Bam kaboti ne kisa toka set ne bam ye. Tibwen bam menga mi simbe nisal poe. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Verset 24. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. C'est-à-dire que l'accomplissement des miracles peut produire donc la conversion de certains. Voyez-vous? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez bien? Tu peux venir à Christ en Jésus. Tu peux même venir même sans être chrétien d'abord. Est-ce que vous m'entendez? Tu peux venir. De ce que les esprits donc des ancêtres t'ont lié. Que vous compreniez que les gens qui viennent dans la foi sans même pour autant comprendre le sens du salut. Il y a quelqu'un qui est venu. Et voilà, ses affaires n'allaient pas bien, mais grâce à la prière, ses affaires vont bien maintenant.
Mais d'aucuns sont allés donc consulter les charlatans. Et les enchanteurs, les charlatans les ont flattés. Et certains n'ont même pas eu réussi dans cette affaire-là. C'est-à-dire que ceux-là qui sont, que Dieu a aimés, lorsqu'ils vont consulter les charlatans même, c'est-à-dire que les œuvres, ça ne leur réussit pas. Mais ce que Satan a programmé pour détruire, ce que Satan veut détruire là, effectivement la magie le rend riche. Et tout ce que par le biais de la magie ont été enrichis, Satan va les tuer donc dans les artères de Ouagadougou. Il va faire en sorte que beaucoup de personnes soient faux. Beaucoup, ça sera comme une pluie sporadique. L'argent va venir en un moment temps donné. Et l'argent va repartir également par le même biais. Voilà pourquoi certains donc ont fait le wak de l'argent et ils en ont eu des finances. Ils ont construit des maisons. Et pour certaines personnes, à leurs propres yeux, de leur vivant, ils revendent les concessions. Et certains meurent. Et les membres de leur famille vendent les concessions. Certains meurent. Comme ce n'est pas de, ce n'était pas de l'argent donc proprement acquis, donc pas de bonne voie, les enfants dilapident ça. Ça donc c'est le cas de ces personnes qui ont été flattées par Satan et qui pensaient qu'il allait s'appuyer sur quelque chose de Satan pour être un homme de valeur. Mais ceux qui ont toujours la grâce, ils vont sur les féticheurs. Le fétiche même les refuse karma. Ces personnes là, s'ils viennent dans la foi, ils courent à la suite des prophètes. Voyez-vous, et ces prophètes qui sont pleins d'esprits méchants, parce que certains donc sont issus de familles de divinéresses ou d'enchanteurs. Quand ils sont venus dans la foi chrétienne et qui n'ont pas connu réellement Jésus, les esprits de divination donc leur montrent des choses de l'avenir et ils pensent que c'est le Saint-Esprit. Donc toutes ces personnes qui sont à l'église sur la base donc de ces idées là, ils ne connaissent pas du tout le salut de l'âme, ce que ça veut dire. Ils courent à la suite de ceux donc qui prient comme exactement les charlatans font. Et arrivé là-bas, on va les affecter ou les attribuer des sorciers et les distinguer également leurs ennemis pour eux, et fabriquer également un mensonge. Donc pour Jésus, ces personnes-là suivent Jésus à cause des miracles qui se font. Donc, certains peuvent ne même pas être de la confession évangélique. Mais il n'a pas l'enfantement. Et par la suite, il trouve l'enfantement. Il n'a pas le travail. Par la suite, il trouve le travail. N'ayant pas le mariage, il trouve le mariage. Ces personnes-là, ils suivent Jésus seulement à cause des miracles. Donc, voilà pourquoi certaines personnes, lorsqu'ils voient, ils remarquent qu'un tel est venu dans le protestantisme et qu'il a eu le mariage et qu'ils se sont convertis, ils sont venus pour le mariage. Donc si le mariage tardait à venir et qu'il n'y a pas de miracle qui se fait, ils sortent encore et ils repartent dans le monde. Donc il veut dire que les églises sont pleines, mais ils sont nombreux, ceux-là qui suivent Jésus à cause des miracles. Et j'ai dit ici, Jésus a dit ici, il a dit que plusieurs ont suivi Jésus. Ils ont cru en son nom à cause des miracles qu'ils ont vus. Mais Jésus ne se fiait pas à eux parce que Jésus connaissait leurs pensées. Quand ils sont venus, ils ne sont pas venus pour Jésus, mais ils sont venus pour un objectif précis. Ceux qui se convertissent pour les miracles, eux ne sont pas encore fils de Dieu. Lorsqu'ils vont durer dans l'église, ils peuvent devenir fils de Dieu.
Dieu. Mais ceux qui sont venus sur Dieu parce qu'ils veulent quelque chose. Jésus ne se fiait pas à ce groupe de personnes. C'est-à-dire que lorsque le message est ensemencé, alors le Saint-Esprit vient donc et en l'air pour lui. Ces personnes-là viennent et se convertissent sans le biais du miracle. Mais ceux-là donc qui suit là-bas de miracles accomplis dans la vie d'une personne sont venus se convertir, Dans Jean 1, 12 déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, le Père les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang ni de la volonté d'un homme ni de la volonté de la chair. Mais ceux qui sont nés de Dieu, effectivement. Donc il y a quatre types de conversion. Je suis né dans la foi là. Nous on ne met pas au monde un chrétien. Nous chrétiens là, nous mettons nos enfants au monde en tant que païens. Nous on ne met pas au monde des chrétiens. Nous mettons au monde des enfants païens. Et par la suite vont devenir chrétiens. Eux sont ceux qui sont nés par le sang. Il est dit qu'ils ne sont pas encore fils de Dieu. Ceux qui sont nés de la volonté de l'homme, tu es venu, tu t'es rendu compte que les membres de la famille sont chrétiens et les gens t'ont contraint également à devenir chrétien. La Bible dit que tu n'es pas encore du lot des fils de Dieu. Ceux qui sont nés de la volonté de la chair, c'est une maladie qui m'a amené, le manque de travail m'a amené, c'est la pauvreté qui m'a poussé à venir à l'église. Chaque personne sait donc ce qui l'a bousculé et l'a amené à Christ. Donc quand tu poses la question à certains, ils disent ce fut à cause d'une maladie que je suis devenu chrétien, ce fut à cause de ceci que je suis devenu chrétien. La Bible dit que ces types là ne sont pas encore des fils de Dieu, mais s'ils prennent du temps dans l'église par les conseils, par la prédication, il pourrait par la suite devenir fils de Dieu. Mais ici là, c'est des gens convertis sur la base du miracle qu'ils ont vu Jésus performer. Rappelez-vous que le message dit que Jésus ne se fiait pas à eux parce que Jésus connaissait leurs pensées. Jésus ne sèche pas à ce que quelqu'un d'autre vienne raconter, parce qu'il portait la double casquette de Dieu et d'humain. Il connaissait donc toutes les pensées des humains. Et que c'était à cause des miracles qu'ils s'étaient convertis. Mais ce n'était pas pour le salut de leurs âmes. Bien mes frères et sœurs, s'il y a quelqu'un ici qui entend ce message, et si c'est pour un motif particulier que tu es venu dans la foi, c'est qu'on t'a dit que si tu viens dans la foi chrétienne, un féticheur ne te moigne pas, un sorcier non plus, et que c'est sur la base de ça que tu établis ta foi, et que si tu viens tu vas avoir un mari, si tu viens tu auras l'enfantement, si tu viens tu auras la santé physique, si tu viens, tu auras la paix, la stabilité dans ton foyer. Et ceux qui sont venus dans la foi à cause de ces objectifs, Jésus ne se fie pas à vous. Et je voudrais vous conduire vers Jésus. Ce qui est tellement important, plus que ce que tu recherches, c'est que si l'être humain meurt dans le péché, son âme se dirige en enfer pour le temps de l'éternité. Et Jésus est venu afin que quiconque croit en lui, la personne est la remission de ses péchés. Donc même si tu meurs dans la pauvreté, même si tu meurs sans avoir un enfant, tu voudrais bien mourir même sans avoir le travail. Si tu meurs même sans avoir le travail, que ton esprit vit pour le temps de l'éternité. C'est pour ce motif là que Jésus est venu. Mais si tu étais venu pour un autre motif quelconque, je voudrais t'apprendre ce soir
Quand Jésus, que Jésus est venu afin de nous donner le pardon de nos péchés, pour que nous héritons de la vie éternelle après la mort. Recherche donc la vie éternelle de tout ton cœur. Recherche la justice de Dieu. Recherche le royaume de Dieu. Quand ce que tu recherches là te sera donné par-dessus. Mais n'est pas la foi liée au miracle. Au point que si tu ne trouves pas ça, que tu retournes dans le monde encore. C'est ce que je voudrais t'exposer ce soir. Afin que tu ne suives pas Dieu par motif mais c'est sur le Seigneur parce que tu veux le salut de ton âme. Ce soir, je le dis encore. Ne servez pas, ne venez pas à Dieu à cause des miracles que vous voyez. Ne viens pas à Jésus parce que tu as été guéri seulement. Les miracles passeront. Le don de guérison passera. Maintenant, ton esprit, ton âme là. Je parle de ton âme. Ton âme là. Si ton corps mourait, même si nous sommes guéris, comprenez que la mort est un impératif. Il n'y a pas ce passé à la Ouaga. Ici, sur la terre, dans les confins du monde, en mesure de prier donc pour empêcher la mort de quelqu'un. Même le prieur donc sera appelé par la mort. Les disciples de Jésus ont opéré des miracles, mais ils sont morts. Si tu touchais donc le corps de Paul avec un mouchoir et tu appliquais ce mouchoir là sur le corps d'un malade, il était guéri. Et tu vas toucher donc quelqu'un qui était possédé, les démons s'enfuyaient. Mais Paul a été décapité. C'est dit que la mort est un impératif. Ne suivons pas quelque chose de passager. Suivons une chose qui ne passe pas, qui est la vie éternelle. C'est à cela que Jésus nous a appelé de saisir. Donc de nous préoccuper du salut de nos âmes. Mais pas les désirs de la chair et du monde. Mais s'il y a quelqu'un ici ce soir qui n'a pas encore cette révélation, toute personne donc vers lesquelles ce message arrivera, et si c'est pour un motif précis que tu es en Jésus Christ, dans 1 Corinthiens 15:33, il est dit, que si c'est pour cela que nous servons le Seigneur, nous sommes les plus malheureux et les plus misérables que tout le monde. Ce monde est passager, mais la grâce que Jésus a apportée, ça procure le salut pour l'éternité. De ceux qui se sont convertis pour des miracles. Là, Jésus a dit que lui ne s'est pas fié à eux. Jésus, quoi qu'il suit Dieu, il a dit qu'il n'est pas sûr qu'il va rester dans la foi. Jésus lui-même déclare que lui ne se fie pas. Il n'est pas sûr s'ils vont entrer au paradis. Ceux qui servent Dieu pour quelque chose, à cause des miracles seulement. Jésus ne se fie pas. Jésus ne se fie pas. Jésus n'est pas 100%. Malgré qu'il est Dieu, il ne peut pas te forcer te jeter au paradis. Il ne peut pas par la force te tirer te jeter au paradis. Il a été dit de prêcher pour qu'il entende. S'il entend et qu'il croit, qu'il accepte d'être baptisé, alors il sera sauvé. Mais si on prêche et qu'il ne croit pas, il périra. Est-ce que vous m'entendez? Celui qui attend le message ce soir, qu'elle retienne le salut, mais pas le monde. J'ai jamais vu dans le tombeau. Donc une personne ensevelie avec sa V8. Jamais on n'a climatisé un tombeau. Même si tu climatises, alors c'est seulement pour la vantardise. Quand on dit que c'est la poussière de la terre, ça ne peut être que ça. Ce qui est plus important, c'est ton âme. Alléluia. Alléluia. Nous restons toujours dans Jean. Jean, l'évangile selon Jean, Jean Yobé, chapitre 6, Yobé, 6, 22,
Lisez jusqu'au verset 27. Vekambero nebkum ni sir senda yes mogra ru na nyame ti a kom kokolo ayebala mbebe la jesus kake kom kokolo kan pourin nebkar mbisaye la bam kar mbisa lorame ti bam kale nebie kom kokolo taba yi tiberiad sempezin ninga zusaba sinning bura baraka ti nebariwa nebkum sinya ta jesus bib kar mbisa kabebe bam meskin kom kol kense en tien capernaum nanti bobamba la bam sin nya jesus mugra runde bam soka jesusia kar samba nyam wa karabure a jesus le kabamya mam yeta nyam sitsira ti nyam sin bor mama kanyam sin nya bom nyam sin bor mama kanyam sin nya bomba na nyingiye ya nyam sin dibura en tira nyinga da tumirib ninga sin samda nyingiye bitum dib ninga sin parts sem para on kote vim sem kaseta nyinga ni sal biga sena konyama tepoin ba wenam nyaka nyenda amina amen. Carmen, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples mais qu'il était parti seul. Verset 23. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, « en vérité, vous le dites, vous me cherchez, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. C'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Bien mes frères et sœurs, c'est clair, hein? Ou pas? Jésus dans ce passage, Jésus a encore rencontré une autre foule. Pour ces personnes, pour ce groupe de personnes là, ce n'est pas à cause des miracles, c'est à cause simplement de la nourriture, le pain, le ventre là. Il y a des gens qui se sont convertis à cause des miracles. Jésus ne s'était pas fié à eux. Il y en a qui se sont convertis simplement à cause du rassasiement seulement de leur ventre, parce qu'ils trouvent du pain à manger. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont totalement perdu même le bon sens. C'est une fois qu'ils trouvent, ils arrivent à manger chez toi seulement aujourd'hui. C'est ce que j'ai dit la fois passée. Il y en a qui sont paresseux. Alors, ce qui les suffit, c'est de trouver à manger seulement. C'est comme les ivrognes. Voilà, quand on buvait, seulement à cause d'un seau de dolo. On peut te donner au village, on peut te donner une femme. Au village là. Si tu as ta fille et un jeune garçon la courtise. Voilà, si tu, il va au marché. Il peut revenir de la Côte d'Ivoire et investir tout son argent dans l'achat d'un canari de dolo. Et il demande à une jeune fille qui a des gros seins de porter ça. Il se cherche donc un grand arbre sous lequel on dépose la canari, le canari. Et maintenant la jeune fille va aller acheter, donc va aller appeler son futur beau-père pour dire, ah bon, c'est là, le jeune homme là qui vient de te donner de l'eau à cause du canari de dolo là. Après où il est à bon, voilà, il faut le dire, oh, de venir me donner seulement un poulet. Voilà, quand tu prends le poulet que tu accroches seulement à la direction du vélo là,
Voilà, on vous dira seulement de chercher, de revenir à un autre jour. Voilà, on va faire la crier et on va te donner une femme. À quoi simplement d'un canari de dolo ou de saut? Oui, celles qui sont assises dans les bars, dans les lieux obscurs. Il y en a donc qui n'ont même plus. Avada pour à cause simplement d'une seule bouteille de bière, ils peuvent révéler les secrets les plus confidentiels. Les bras de et c'est devenu même une relation. Ils peuvent même donc s'accompagner jusqu'à Titao, chez eux là-bas. À cause d'une simple bouteille de bière. Voilà, le nombre d'amis que tu vas avoir comme buveurs d'alcool là, c'est même les fumeurs de cigarettes aussi. Lorsqu'une personne est affamée de la fumée de la cigarette, et que tu, par hasard, tu lui tends donc un bâton de cigarette et qu'il tire comme ça. Voilà, il perd même le sens et il parle au hasard. Jésus dit ici là qu'il y a des gens qui me suivent à cause du pain. Comme de grouiller. Pour que ceux qui le suivent, que ce ne soit pas pour le pain que vous me servez. Que ce ne soit pas simplement parce que tu arrives à te rassasier. Ne suivons pas Jésus simplement à cause de nos intérêts. À cause de la nourriture qui viendra à passer. Alléluia. Alléluia. Tournez dans 1 Timothée 6, commencez par le verset 10. Lisez jusqu'au verset 13. La ligue de la tombe s'est soquée. Au bas, ça tient bon un 15 mai. Stockassant pour un. La fosse y a un amnéda. Bifus de bon 15. La fosse de l'homme, n'est un am sacré. La tient bon et non l'homme la soumare. La souboursum. Zabtib zabersoma. La garde vim sen kaseta vim ninga winam symbol form tuf pama la fora ki sa vim kan kaseto soma kaset dam wusuk suka mam toks da fo winam se kot bum fa won nifi la Christ Jésus nifi sinda kis kaset nera apos pilata tora. Voilà. Verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, que devant Jésus-Christ, tu fis une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement. Lorsque nous étions à l'école biblique, le pasteur Pawen Toré est venu là-bas. Voilà, l'argent n'est pas mauvais en soi. Mais effectivement, il dit, je prie pour que vous tous, vous gagnez l'argent. Il a dit que je voudrais que même dans vos maisons, dans vos chambres, que vous puissiez classer des liasses d'argent. Il dit, mais voici une chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention. Faites attention que la quantité de votre argent, malgré cette valeur colossale-là, qu'aucun 5 francs donc ne contrôle votre vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Faut s'enlever. Et si tu deviens esclave de l'argent, il paraît que c'est la racine des mauvaises choses. Il a dit, tu peux utiliser l'argent pour poser des actions à la gloire du nom de Dieu. Tout comme tu peux utiliser l'argent pour poser des actions en faveur du royaume de Satan. C'est comme dans le WhatsApp.
Voilà, on peut l'employer dans le bon sens. Par exemple, la prédication là, on va balancer ça à travers le YouTube et WhatsApp. Et WhatsApp. Vous entendez? Voilà, c'est un outil qui va nous servir. Et quand tu rentres effectivement dans YouTube, tu vas trouver des grands évangélistes, les Marcelo y sont. Et tu vas également rencontrer des grands pasteurs qui ont le don d'enseigner. Et si ton WhatsApp et ton YouTube là, tu l'emploies dans ce sens là et tu l'utilises comme ça, c'est le bon sens. Mais vous trouverez également que dans le même réseau, vous trouverez également donc des gens qui exposent leur nudité là-bas. Et si tu entres dans ce domaine, tu te fais toi-même du mal. Il y a aussi des gens qui flattent, qui escroquent des gens et qui, par des manipulations somptueuses, ils arrivent donc à soutirer de l'argent. Voilà, c'est un instrument, un outil qu'on peut utiliser pour faire le positif. Si tu le prends dans le côté positif, mais si tu l'emploies dans le côté négatif aussi, tu peux détruire ta propre vie. Tu peux toi-même te souiller. Et effectivement, tu peux achever ta vie en enfer. Et pourtant, si tu navigues vers le côté des évangélistes, et ceux donc qui chantent à la gloire de Dieu, tu te conduis également vers le paradis. C'est la même chose avec l'argent. Je dis que c'est la racine de tous les maux. Mais certains qui ont été possédés de l'amour de l'argent, ils se sont eux-mêmes jetés dans bien des tourments. De l'argent, mais incapable de soutenir l'orphelin. De l'argent, mais incapable d'en débourser pour soutenir tes enfants. De l'argent qu'on ne peut pas investir pour soutenir ta femme. De l'argent qu'on ne peut pas utiliser pour pousser loin l'œuvre de Dieu. De l'argent. Et en face d'une ordonnance médicale, on croise les bras et on est arrêté. La fois passée, la fille donc a été bénéficiaire de nos offrandes pour qu'elle fasse son intervention là. Elle est venue avec ses parents, ses mamans à la maison chez moi pour remercier. Parce que moi je n'avais pas l'argent. Mais je l'ai partagé avec vous. Quand vous avez donné les offrandes, ça a permis à l'enfant d'être toujours en vie. Vous ne pouvez pas arriver au paradis et ne pas trouver la récompense. Mais si même bas sur la terre, toute personne qui est participée, Dieu ne permettra. Tu ne peux sauver la vie de quelqu'un et Dieu permet en retour que toi-même tu perdes la vie. Mais il se pourrait que pendant qu'on faisait les offrandes, si tu es contrôlé par des saints francs là, tu ne vas pas donner. Tu vas voir. Tu vas voir la personne là mourante et tu as l'argent dans ta poche. Ceux qui sont maîtrisés par l'amour de l'argent, ils peuvent être couchés à l'hôpital comme ça. C'est-à-dire ce que les gens viennent donner comme salutation. Le malade est couché et puis il fait des gestes comme ça. Il donne des signes que d'amener l'argent que tu veux empocher là. Et ceux-là donc qui ont un peu froid à l'œil, ils permettent à celui-là qui est venu saluer là de repartir et dire, donne l'argent. Si tu vas à l'hôpital et vous posez la question à ceux qui aux assistants des malades, c'est le malade lui-même qui est couché et qui dépend sur son propre corps. Même au village, quand on dépièce une pintade, on compte le nombre de morceaux de viande. La femme donc va frire la viande là, et puis amener, elle va compter si quelqu'un n'a pas enlevé un morceau. Vous voyez la manière dont la cupidité et l'avarisme donc ont atteint un niveau si avancé. Vous voyez de quelle manière l'amour du monde a lié des gens. Ici là.
Il est dit qu'ils se sont jetés dans bien des tourments. Il ne peut pas se priver lui-même et aller même à soutenir son frère, sa femme. Certains enfants sont si intelligents, mais à cause de l'avarisme là, ils ne sont pas en mesure de payer les frais de scolarité. Et pourtant, si tu as la chance, ton enfant est intelligent, ne vas-tu pas injecter ton argent dedans pour que l'enfant puisse te les ramener demain? Et certains les ont fait sortir. Voilà, pour les donner donc les mettre dans l'artisanat. Pourtant, ils sont vraiment. Ils sont intelligents à cause de la dureté de la main. Et également, dans cet artisanat-là, c'est également les mécaniciens au bord de la voie. Ils ne vont pas aller le payer dans un centre de formation professionnelle pour qu'il devienne un bon mécanicien. Comme ils aiment les gratuités-là, ils vont aller placer leur enfant comme un stagiaire auprès des mécaniciens qui jalonnent les voies. Et il aurait pu étudier. S'ils voulaient également qu'il apprenne un métier, il aurait pu également le payer dans un grand atelier. À cause de l'avarisme, ils se sont jetés dans bien des tourments. Maintenant, Paul dit à Timothée, mais toi, homme de Dieu, toi converti qui es disciple de Jésus, fais ces choses. Combat le bon combat de la foi. La garde vie 5 à 7. Et saisis la vie éternelle. La vie kanga, cette vie la jubole, à laquelle tu as été appelé pour hériter. Tous les chrétiens ici présents. Garde vie 5 à 7. Saisissez la vie éternelle. Car c'est à cette vie que Jésus nous a appelés. Pas devenir saisir fermement les richesses de ce monde. Sans être à mesure de faire l'œuvre de Dieu avec. Je le dis encore. Ne suivez pas Dieu pour les miracles. Ne suivez pas Dieu aussi pour le pain. N'aimez pas le monde au point de vous attacher à vos richesses et vous jeter dans des tourments. Il est plus loin dit, mais toi, homme de Dieu, fais ces choses-là et saisis la vie éternelle. Cette vie à laquelle le Seigneur t'a appelé d'hériter, que vous et moi nous prenons garde pour ne pas nous amuser avec la vie éternelle. La vie de la chair au temps de Noé a été plafonnée à 120 ans après le déluge. La vie du corps a été plafonnée à 120 ans. Maintenant, ça a régressé jusqu'à 70 ans. Que chaque personne essaie d'évaluer donc par rapport au nombre d'années que tu es prêt de partir. Ne pense pas que tu vas être le gouverneur de ce monde. Et également, ceux qui sont en bas âge comprennent également que même les enfants meurent. Par rapport à la fête de la mort, il n'y a pas donc de critères d'âge. Car nous tous, nous vous invitons donc de saisir la vie éternelle. Cette vie à laquelle le Seigneur nous a appelé d'hériter. Ne jouons pas avec la vie éternelle. Je le dis encore. Ce corps passera. Tout ce que nous avons passera. Ce qui demeure, c'est notre esprit, notre âme. C'est l'esprit qui va vivre dans l'éternité. Mais si notre esprit sort sans aller au paradis, il ira dans le lieu de tourment éternel. Mais si nous utilisons notre corps pour pratiquer des bonnes œuvres, et nous comprenons le sens du salut, et à chaque fois nous reconnaissons nos torts et nous présentons nos excuses, le jour où notre esprit va aller au paradis, c'est pour le temps de l'éternité aussi. C'est pour le temps de la réjouissance éternelle. C'est là où il n'y a pas de gémissement ni de grincement de dents. Mais si nous nous amusons et nous suivons les miracles, Jésus n'a pas fait ceci, mais s'il ne fait pas ça, je ne vais pas faire. Jésus n'est pas venu mourir pour que tu aies l'argent. Jésus n'est pas venu mourir pour ton mariage. Il n'est pas venu mourir pour que nous construisions de grandes maisons. Jésus est venu mourir pour le salut de nos âmes. Je voudrais que nous pensions à cela. Avant maintenant que la guérison ne vienne, l'employabilité va suivre. Le mariage va suivre. Si tu rates le paradis,
et que tu as saisi, c'est le mariage que tu as saisi, ou encore l'argent que tu as saisi, ou encore le travail, ou encore les grandes maisons et les grosses voitures, si ton esprit s'échappe pour aller apparaître en enfer, tu oublieras ton existence sur la terre. Entre que tu as oublié que tu roulais avec une verrouille et tu dormais dans une maison d'état, et si tu descends en enfer, si on te pose la question, quand est-ce que tu viens ici, tu vas dire que ça fait 1000 ans que je souffre ici. Mais si ton âme allait au paradis, et quand on te pose la question, depuis quand es-tu là, et de suite là seulement, je viens d'arriver là. Prenez garde de votre esprit, car votre esprit est dangereux. L'esprit va vivre pour le temps de l'éternité, mais que le Seigneur est est-ce que ça soit dans les lieux de félicité, mais que Dieu nous éloigne des tourments éternels. La parole de Dieu déclare que le serviteur a un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme. Alors est-ce que cela lui sert à quelque chose? Je termine. Accepte de manquer de toutes choses dans le monde, mais ne rate pas la vie éternelle. Ici bas sur terre, efforce-toi. En fait, tu voudrais même ne rien avoir, mais vous et moi faisons l'effort de ne pas rater la vie éternelle. Lazare, il en a été ainsi pour Lazare. Il est dans la vie éternelle. Le riche homme a désobéi. Il est dans les tourments éternels. Et il appartient à vous et à moi de choisir. Choisir la vie éternelle. Car c'est à là que le Seigneur nous a appelé de saisir. Saisis fermement cela. Et ne t'amuse pas à le perdre. Que le nom de Dieu soit glorifié. Et que tout le monde sache que Jésus est Seigneur. Amen. Amen. Ensemble, prions le Seigneur. Pousse. À toi la gloire, ô ressuscité.